vivre ce match comme si vous étiez au stade. Au menu, une rencontre en mode club. Depuis le stade, on sent l'ambiance des grandes rencontres. Déjà 3 victoires d'affilée pour cette équipe. La confiance est tout en haut. Elle doit servir à t'élever encore plus, pas à te rabaisser. Guy. L'offensive progresse bien. Peut-être une occasion bientôt. Oui, le centre, il est bon dans la surface. Voilà. La gardienne là qui sort. C'est un peu. C'est chaud quand même. Le gauche. Ouais, politique. Ça devrait rester en dehors du football. Le centre dans la surface, il y a du monde. Ouais, ça n'ira pas plus loin. Ouais, ce ballon qui est perdu. Et son nom est maintenant tout en haut du classement du club. En termes de buts marqués, quelle performance. Son record de but, ce n'est pas de la fièvre, de la chance ou de l'opportunisme. Non, les buts, c'est de l'émotion, de l'histoire, de l'énergie renouvelable pour son club. En plus, je ne vais pas te mentir, ouais, désolé. J'aurais jamais pensé que ça puisse arriver à Bordeaux, tu vois. Je ne sais pas vous autres, d'ailleurs, en France, mais les Bordelais ne sont pas vus comme des gens chauds. C'est pas des Stéphanois, c'est pas des Marseillais, c'est pas des Parisiens, quoi. C'est comme si t'avais les supporters de Monaco qui se tapaient, quoi. Tu aurais envie de rigoler. Oui, oui, t'as le supporter du virage sud et t'as le supporter du virage nord qui se tape. Il y en a un qui est pour le prince et l'autre qui est pour les quartiers défavorisés de Monaco. C'est ça, je trouverais stupide. Déjà, je trouve un peu stupide, mais bon, je l'ai accepté dans le foot. Mais déjà, de se taper entre supporters, même de deux clubs différents, alors t'imagines bien que je trouve stupide. Pas de pression pour reprendre la possession. Séquence de possession en attendant, en cherchant la brèche. Allez, le ballon sort bien sur cette intervention de la défense. Le ballon est récupéré sur cette interception. Guy. Le bloc progresse bien dans le camp adverse. C'est la nouvelle guerre. Oh, j'espère pas. Club. Qui est perdu. Guy. Une possibilité là pour centrer. Il t'a feinté. Et le bot il s'est pris pour Zidane. Il a dû se dire c'est bon, on m'a fait une calvitie, je suis Zidane quoi. Alors il y a plusieurs options disponibles maintenant. Et oui, la faute évidemment, et elle vient couper l'attaque. Ouais, c'est intercepté ça, bien joué. Ouais, le long ballon pour changer de côté. Ah, la possession du ballon est bien maîtrisée en attendant l'ouverture. Et non, c'est un ballon qui est rendu à l'adversaire. Attention, ballon en profondeur.
occasion là. Et c'est le but. Ce but est peut-être le plus important. C'est celui pour faire la course en tête. Et avec cette ouverture du score, le match se débloque. Eh oui, duel remporté. Et la frappe. Le ballon capté sans problème. Ah non, là, la balle qui est perdue. Super pressing et la récupération très haute. AB. Et voilà, ça joue maintenant à la passe à 10 dans leur camp. Et oui, c'est un coup franc après cette course. Le ballon renvoyé, l'action n'est pas finie. Et finalement, le gardien s'empare du ballon assez facilement. Le premier arrêt était magnifique, mais le danger n'était pas encore écarté. Le ballon est enfin contrôlé. Et voilà, donc l'arbitre il arrête. Putain, on n'avait même pas refranchi la ligne. Ah oui, quand même. Ah bah une chance sur deux. Hein. Marseille, c'est le club en France, soit tu aimes, soit tu détestes. Ça peut pas être autre chose. C'est pas... Non, enfin Bordeaux, je sais pas, mais... C'est pas Monaco, quoi. Enfin, c'est pas des clubs qui laissent indifférent, quoi. Ah oui, c'est Lyon. Ouais, mais ça fait longtemps quand même que Bordeaux. Et c'est parti pour cette deuxième mi-temps. Oui, oui. Après, ça a été vraiment chaud et après, c'est vraiment logique. Parce que Paris, ça représente la capitale et Marseille représente les provinciaux. Donc... Malgré que ça soit un peu con, parce que Marseille est une grande ville aussi, mais bon, c'est un peu vu comme ça. Voilà, merci. Oui, il y a un peu ça. AB. Et non, ballon perdu. Et ballon intercepté. Ça arrive. C'est une attaque intéressante avec pas mal d'options disponibles. Ça s'appelle une mauvaise série. Il y avait de quoi faire sur cette action, mais pas comme ça. De 43 ans. Après, chacun sa fierté. Hein. Palmarès de Bordeaux, si c'est 43 victoires face à l'OM, tant mieux. Hein. Eh oui, magnifique pour effacer l'adversaire. Oui, il y a eu beaucoup de matchs nuls. À la récupération haute, bon pressing. C'était souvent des matchs fermés, Bordeaux-Marseille. Hey, la grosse intervention là. Eh, hey, bien donné ce ballon. Allez, il faut aller fixer maintenant. Après, le problème, c'est que même là, ça n'aurait plus de. Même sans cas à plus, ça n'aurait plus de sens de parler de rivalité. Enfin, voilà, dire c'est.
c'est une frappe. Magnifique ce contre. Et un corner pour essayer d'égaliser. Bah, ils ont dû se dire avant qu'ils aillent en Ligue 2, autant leur prendre la série. Parce que s'ils vont en Ligue 2, ça va être encore plus long. Encore un corner à jouer. C'est vrai. Hein, s'ils étaient restés invaincus face à l'OM à domicile avant qu'ils descendent, ben, tant qu'ils sont en Ligue 2, ils sont tranquilles. Sans prendre de risque, la défense, le ballon est renvoyé. Oh putain. Contré, mais ça c'est triste quand même pour le football français. Ben. C'est comme Saint-Etienne, hein. Ça fait quelque chose quand même. Mais Saint-Etienne, ça va, ils devraient, s'ils ne déconnent pas, revenir en Ligue 1. Là, ils sont bien classés. Donc, s'ils se prennent les barrages, ça va être dur. Bah, superbe la passe. Allez, la transversale pour renverser le jeu. Oh putain. Ah, je fais la merde. Oh. Allez, on parlera entre les deux matchs de Bordeaux et Marseille. Les 20 dernières minutes de la rencontre. Oh, bien anticipé, le ballon est intercepté. Et voilà une conservation défensive pour gagner du temps. Verdiouf. Ouais, bon geste défensif. Ouais, on a tellement parlé de ce match. Et le danger se rapproche. Oui. Et bim. Oui, bien défendu. Une possibilité là pour centrer. Voilà. Putain, ouais. Du coup, le ballon est renvoyé. Et le tir. Voilà. C'est pas compliqué, les gars. Ce but, donc, ouh. Zaïre Emery. Il a signé au Real, lui aussi. Score de parité avec ce but inscrit un partout. Ah, il y a un Parisien dans le vocal aussi. Ah, mais c'est le même, d'accord. Des doublements de personnalité. Et on lève la tête là, peut-être un centre. C'est dangereux, mais finalement, c'est en corner. Bien parti pour ce corner et une tête finalement facile à maîtriser. Il va falloir faire beaucoup mieux pour tromper le gardien. Et non, l'arbitre qui revient à la faute, l'avantage ne profitera pas. Le ballon est intercepté, c'est une bonne récup. Allez, les gars. Si tu me vois, ouais, bonne idée, c'est bien fait ce ballon. Il est concentré là, là-dessus. Ah. Oui, ce ballon là qui est récupéré. Allez, allez, coupe. Aïe, aïe, aïe. C'est bon, il va. Bien joué. Au bon moment, bien joué. Non, non. Ah, c'est une dernière, les gars, qu'on a. Un match compliqué, mais les fans sont au rendez-vous. Un but maintenant leur suffirait. Plus que quelques minutes, vamos! Un centre dans la surface, et sans trop de problèmes, la défense récupère ce ballon. L'équipe est maintenant à la recherche du but qui serait synonyme de victoire. Ah ben voilà. Et but! Le but dans les derniers instants, dans les dernières minutes, c'est terrible! C'est la fin donc du match, et voilà une rencontre qui se finit évidemment de manière décevante pour l'équipe à domicile. Dans un match de football, soit on gagne, soit on apprend. Aujourd'hui, on a. Non, mais ça va se refaire. Ça jouait bien tout à l'heure.
C'est qui ce soir qui joue? C'est le Real et tout, il joue là? Ouais, ça te joue.